Samba Wende, 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 Nelly Carton est votre reine, la princesse de Bissa. Ousso, Dieu c'est Dieu. Salut, Bansé, depuis ta position. Samba Wende, Samba Wende, Samba Wende, Nelly Carton est, Yao Tobala, Wende à Wende. Rale Kaben Gang, la mamla de Latino. Eh, moi, c'est mon artiste. C'est mon artiste. Merci, Rosaline, pour le cœur. C'est votre princesse. Merci pour votre amour. Je vous aime comme ça. La caravane passe. Le chien en bois, la caravane passe. Samba Wende. C'est Dieu qui fait tout. C'est son Dieu, vous allez voir. Bonsoir, la reine de Bissa. Et la famille. La famille se porte très bien, mon frère. Il fait ce qu'il veut. Ne force pas tout. Alléluia. Chantez. Wenny à Wenny, bien vraiment au contrôle. Bonjour mes amis, bonjour mes princes, bonjour les vrais ans. Est-ce que vous êtes là? Où sont mes princesses gang? Est-ce qu'il y a mes princesses gang? Seydou Bandoré, je vais bien, et vous-même? Où sont mes princesses gang? Hein? Est-ce que mes princesses gang sont là? Hein? C'est votre reine, la reine de Bissa. Tiens, c'est votre reine de Bissa. Est-ce que tout le monde est là? Tout le monde est assis? Tout le monde a pris son tabouret? Voilà, hier j'ai joué la musique de votre frère. J'espère que vous êtes allé vous abonner à sa page. Comme je disais tantôt que dans la vie, les Bissa, il faut qu'on apprend à être solidaire. Voilà, il n'y a rien dans... Hé, hey, mes princes gang sont là. Et mes princesses gang aussi sont là. Voilà. Bara, salut. On est calé, hein? C'est bien. Moi aussi, je suis calé. On est karangba. J'ai lu un peu les commentaires, non? Non, sa grande soeur, comment va? Je vais bien, Amadou Dabré. Je vais bien, non? Bonsoir, la soeur. Je suis calé. Oussou, premier. Voilà, je salue tout le monde. Je vous salue, vous tous. Merci d'être calé pour la princesse. Voilà, la princesse aussi, elle est calée. Tu me donnes, Nami? Donne-moi la tétine, s'il te plaît. Non, prends. Trop.
Donc, la princesse aussi est calée. On va coumer un peu. Si mes loulous me permettent, hein. Comme vous savez. Tu diminues, c'est fort, chérie. Tiens. Tu peux diminuer. Donc, les princesses gang, tranquille, ça va bien. Et chez vous, là-bas. Je vais très bien. À part qu'aujourd'hui, il fait moche à Paris. Il fait très moche. Il fait moche, sinon trop monde va bien. La princesse va bien, elle est toujours en forme. Voilà, je fais ce petit direct pour faire coucou à tous mes fans, à tous mes baramoros de coin, pour dire que voilà quoi, on reste costaud et la vie c'est un combat et faut rien lâcher quoi, rien, ne rien lâcher. Bonsoir ma princesse, je t'avais envoyé. Une mesure, est-ce que tu as reçu? Ah, je n'ai pas vu. Non, je suis en train de faire le direct avec le téléphone. Donc, après, je vais regarder, non. Voilà, après, je vais regarder. Il y a quelqu'un qui va intervenir, c'est qui? Je vais voir si ça marche, hein. J'ajoute. Voilà. Abonné, tu veux peut-être parler? Il veut comment? Fantasare. Oui, bonjour. Allô? Ah, il y a une dame qui veut parler, je crois. Allô? Il y a un fantôme qui m'a appelé ou quoi? Allô? Allô? Ben, je sais pas. Ben, il y a quelqu'un qui veut intervenir. Ben, voilà. Ok, ça marche pas peut-être, je sais pas. Bah, il y a quelqu'un. Oh, que Dieu merci et que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse, nous tous. Voilà, c'est ce petit direct, un direct d'encouragement. Pour dire à ma communauté, parce qu'on est dans un monde où tout le monde veut devenir riche et personne ne veut payer le prix. Donc, pour être riche, il faut payer le prix. Le prix, c'est quoi? On commence doucement. Nous tous, on a commencé doucement, on n'avait rien. On a vendu les œufs, 100-300 francs. On a vendu de l'eau glacée, on a vendu orange, on a braisé les maïs pour vendre, on a braisé les bananes pour vendre. Et que dans la vie, on commence un peu, et que chacun a son doigt. Voilà, mais nous vivons dans une nouvelle génération. Nous vivons dans une nouvelle génération où tout le monde va être riche. Excusez-moi. Tout le monde va être riche. Personne ne va aller mollo, quoi. Les gens vont dire, ah, je vais être riche. Non, on va mollo. La princesse que vous voyez là, elle allait mollo. La princesse a vendu œufs, elle n'a pas honte de le dire. La princesse a vendu de l'eau glacée, elle n'a pas honte. La princesse a vendu bistap, elle n'a pas honte. Elle a vendu yamakou, elle a vendu yaou. Il vendait même yaou breton, on appelait ça Marima Sejo, depuis Ara, voilà. Il salue tous les gens d'Ara. Il parlait un peu à Nani pour saluer, si jamais, par hasard, voilà. Animo, mojambo, mbawasi. Voilà, je le dis. Donc, dans la vie, il faut commencer un peu. Mais aujourd'hui, la nouvelle génération ne veut rien commencer un peu. Tout le monde veut l'argent tout de suite. C'est pas comme ça, la vie, c'est pas comme ça. La vie, c'est un peu. Voilà, dans la vie, c'est un peu. Oui, Flo, on dit quoi? Si tu finis là, faut m'appeler. J'ai essayé de t'appeler, mais je t'ai pas eu. Voilà mon esclave ici. Voilà, les petits abonnés à sa page, c'est Flo, c'est la famille. Donc, dans la vie, aujourd'hui, les filles d'aujourd'hui, là, elle voit un homme qui est riche, elle enlève son téléphone, le monsieur, il fait rou, elle veut qu'il donne. C'est pas comme ça. Non, on n'a qu'à se respecter. Nous vivons dans un monde où que les femmes, si une femme veut son indépendance, elle doit travailler. Oui, quand tu as ton guerre, femme qui a l'argent, là, garçon fou derrière. Voilà, garçon fou derrière, femme qui a l'argent. Vous voyez les stars, je ne veux pas dire le nom de quelqu'un, mais vous voyez les stars, toutes les filles veulent devenir comme les stars. Mais les filles, là, elles ont commencé un peu. Voilà, dans la vie, il faut commencer un peu. Voilà, si tu as, les filles qui regardent, je ne sais pas si quelqu'un qui regarde ma vidéo, je vais te booster aujourd'hui pour dire que si tu as 10 000 francs, et que tu en as fait, tu prends et tu t'imposes. Si tu as, je ne sais pas, quand je vois ce que tu as, même si c'est eux que tu vends, moi j'ai vendu tout. J'ai vendu
Un peu, tomate, oignon. Il n'y a pas quelque chose que je n'ai pas vendu. Comprimé, adjamé, tout ça là, il est fait. Adjam Salah, adjam rhum. Voilà, il est à Yopougon, je vais dire le marché où j'ai vendu, à Le Cotoro. Voilà, je vendais comprimé, je vendais les pantalons. J'ai vendu, la femme l'a vendu. Un peu, je suis montée, j'ai mal couru la vente. Excusez-moi. Voilà. Donc, les gens veulent tous l'argent facile. Commencez un peu, vous allez monter. La vie, c'est un combat. La vie, c'est un combat. On commence un peu. Voilà. Les gens sont là. Ah, tu vas te marier avec quelqu'un qui a déjà tout. Tu sais même pas ce qu'il fait. Vous savez ça, non? Tu sais même pas ce que la personne fait comme travail. Tu vois quelqu'un qui a l'argent. Tu ne sais pas s'il tue quelqu'un pour avoir son argent. Tu ne sais pas si la personne là-même là. Tu ne sais pas. On veut tous l'argent. Il y a l'argent que tu vas prendre là. Tu ne vas jamais évoluer. Il y a l'argent que tu vas bouffer là. Tu vas tomber. Tu vas prendre l'argent là pour te soigner toute ta vie. Pourtant, si tu te respectes et que tu sois un peu, tu vas voir qu'un jour ça va aller. Voilà. La princesse est là. Elle a vendu. Elle a les pépites. Voilà. Parce que certains vont dire non. C'est parce que c'est son mari qui lui donne tout. Avant que son mari dise, je veux dire, le monsieur, il donne, hein, je ne vais pas mentir. Voilà, quand quelque chose est bon, il faut dire que c'est zo. Mais j'ai commencé un peu, avant que ça soit zo. Voilà, j'ai commencé un peu. Une femme, vous imposez le respect, mais vous ne voulez pas travailler. Une femme qui travaille, qui a son argent. Une femme qui fait commerce, qui a son argent. Même ton mari, même pas te respecter. Ton mari te donne l'argent, tu ne peux même pas mettre de côté. Tu prends tout pour manger, tu prends tout pour faire ton team. Ton team, là aussi, quand tu prends le téléphone, tu prends tout. Donc, ce n'est pas intéressant, quoi. Voilà, aujourd'hui, c'est pour bouffer. C'est pour vous bouffer aujourd'hui. Si tu fais un travail, tu comptes dans la vie. C'est ta provocation, quoi. Tout ce qu'on fait dans la vie, il faut mettre du sérieux dedans. Parce qu'on ne sait pas où le bonheur peut cliquer. Quand tu fais un travail, tu prends ton travail au sérieux. Et tu vas voir qu'un jour, le bonheur vient dedans. Il y a des gens qui travaillent, ils voient tout en rigolade, ils voient tout en jeu, ils ne prennent rien au sérieux. Là, dans la vie, là, il n'y a rien qui est, y a rien, comme on dit, il n'y a rien qui est facile. Rien n'est facile. Vous voulez l'argent facile, vous allez avoir l'argent facile, mais il y a conséquences dedans. Tu vas te marier à un homme qui a l'argent, donc tu vas te taire, tout ce qu'il dit, tu vas supporter. Mais si tu ne veux pas ça, tu te lèves, tu cherches ton travail, tu te lèves, tu prends, tu te lèves, tu batailles, tu te lèves, tu bats. Tu vas voir quelle personne va faire pour toi. Voilà, si tu te maries pour l'argent, on va te remercier aussi si je savais. Voilà, c'est comment ça y est. Tu as venu dans ma maison encore de mon waré. Vous pensez que les garçons sont gaou? Un homme, quand il te pose là, il sait. Un homme sait comment il prend une femme pour mettre chez lui à la maison. Quand une femme est sérieuse là, les hommes là, ils savent. Il y a des hommes même qui savent que si ce n'est pas pour mon argent, là, c'est si la femme qui partagez ma vidéo, c'est pour booster mes fesses. Il y a des hommes là, quand ils draguent les filles là, eux-mêmes, ils savent très bien si ce n'est pas à cause de leur situation là. Stabilité là, cette fille là, cet homme là, cette fille là, il n'allait pas gagner. Vous pensez que les hommes là sont bêtes, donc tu vas courir, tu vas aller t'asseoir dans ta maison, tu penses que c'est tout, tu as eu ton mari. Laissez-vous, battez-vous. Voilà, votre reine aujourd'hui, elle est là pour vous booster, pour dire dans la vie, là, parce que si tu veux être comme moi, voilà, il y en a qui disent, ah, tu nous inspires, on aime bien ton courage. C'est ça que j'ai dit là, j'ai bataillé. Ceux qui viennent d'arriver, après, reprenez la vidéo. Il n'y a pas quelque chose, je n'ai pas vendu, je n'ai pas honte. Voilà. Mes prostituées là, je n'ai pas fait ça. Mes ventes là, oui. Les gens là, ça va ventiler. J'ai vendu, hein, ça va ventiler. L'eau là, si ma tête, même à Bobo, j'ai fait. À Bobo, la mairie, à Bobo, derrière, j'ai vendu de l'eau glacée. Les fois même là, les bandits, les prends l'eau, tu es ça. Tu rentres à la maison, ta patron compte, ça monte 10 francs, 5 francs, hein, t'es solo. Mais c'est quoi ça, et non? Voilà, je vais vous parler en coumant un peu pour vous dire que, ouais. Votre princesse, c'est parce qu'elle a bataillé. Ce n'est pas parce qu'elle est quittée en haut là pour tomber. Non, non, non. On a vendu le glacé. À Bobo. Voilà, les yeux, elle prend l'eau. Eh, Béli, c'est comment? Il prend l'eau là. Eh, c'est comment? C'est 5 francs. La monnaie là-bas, où tu as trouvé là? Il suit l'eau là. Tu arrives à la maison, tu coumes en patron. La patronne est derrière, il faut penser qu'elle a coupé son argent. Elle tout l'eau comme ça. Voilà. Et à la fin du mois, elle coupe encore dans ton argent. Donc, votre princesse là, elle a bataillé. C'est une guerrière, c'est une lionne. Voilà, c'est cet exemple-là. Si vous voulez me ressembler là. Aujourd'hui, si tu n'as rien là, tu commences tout à zéro. Voilà, il faut aller vendre. C'est pas grave, on commence un peu. Dans vendre l'eau un peu, là. Votre princesse là,
quand le elle a eu l'argent, elle a fait son petit commerce, il y a pas quelque chose, elle n'a pas vendu, un peu, elle a fait Lomé, Ghana, toutes les copines savent, voilà, elle partait prendre les trucs, elle venait vendre les bijoux, les montres, vous voyez, un peu, elle est montée, elle a eu ses pieds, voilà. C'est dans ça quand votre beau la mariée, non, cette fille-là, c'est une bâton, je ne peux pas la laisser. Il a connu beaucoup de mousseaux, hein, les vrais mousseaux du coin. Il dit, mais celle-là, non. Il vient et lui demande pas l'argent. Voilà, le gars-là, il vient. Oh, il mange, il s'en va. Il dit, là, c'est un bon mousseau. Hein. C'est un mousseau en Côte d'Ivoire. Il dit, il vient voir un mousseau, celle-là. Hein. Ou bien, mais le voit, il fait le transport, il rentre chez moi. Elle y avait des, avant de le croiser. Voilà, dans mes batailles. Je lui ai parlé comme ça pour que nous puissions avoir. Tu peux venir avec nous, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas, mon fils est un petit copain. Tu peux lui donner sa petite copine. Moi, je ne sais pas. Tu sais que ma mère. Je trouve. Oui, c'est vrai, j'ai acheté son lot à Vija là-bas. C'est pas quand tu es là et puis on m'a solo, non, c'est toi. Il n'a pas très ma solo, là, il ne va jamais oublier ça. Maman, tu peux lui donner la bouteille d'eau. Il a dit la bouteille de son. Je parle de l'eau maintenant. Bon, la personne est mon solo, non, attendez une seconde. Je ne sais pas. Hein. Mettez-moi de terre, là. Vous voyez, je vous donne des conseils. Ça ne vous intéresse pas. Dans la vie, là. On dit, le pauvre, oui, on peut, si c'est le pauvre, c'est pas ta faute. Mais mourir pauvre, là, c'est de ta faute. Mais il y a une façon aussi de chercher l'argent. Je n'ai pas dit d'aller vendre votre âme au diable. Non, je n'ai pas dit ça non plus. Voilà, je n'ai pas dit d'aller faire les maraboutages, les choses comme ça. Non, il faut batailler. Crois ce que tu fais. Un jour, ça va aller. Voilà, votre princesse, là. Il ne veut pas me laisser assis et puis regarde ma fille. Est-ce qu'on peut vivre comme ça? Est-ce qu'on peut souffrir comme ça dans cette vie-là? Est-ce qu'on peut souffrir comme ça? La souffrance. Juste quand même tu travailles chez les gens, là, quand il ne veut même pas que tu regardes la télé, il dit, est-ce qu'on peut souffrir comme ça dans la vie? Voilà, mais Dieu, il a regardé le cœur blanc de votre princesse. Ce n'est pas parce que c'est la plus belle, qui pas belle. Je suis belle à ma façon parce que toute personne est belle à sa façon. Mais c'est une façon de dire, ou pas vous allez vous asseoir pour compter sur votre beauté. La beauté, là, ça fane. Voilà, la beauté fane. Voilà, mais la dignité est importante. Donc, prenez soin de vous, c'est votre reine. La princesse est là pour booster la jeunesse. Pour dire à la fille de ça, si vous voulez qu'on vous respecte. Tu peux travailler dans le travail, ton mari travaille, tu travailles. Vous avez votre guerre, vous gérez votre avenir. Voilà. Mais toi, tu ne veux rien faire, tu es assis, mais si il paye tout ça, tu es assis. Non, ce n'est pas comme ça. Voilà, donc chacun doit batailler. Donc, c'est un peu ça, non, la famille. Donc, c'est votre princesse. Les cœurs sont où? Les femmes, là, les cœurs sont où? Voilà, une femme qui a l'an, là. Quand tu as l'an, qui n'est pas l'an, quand femme a l'an, son mari va faire. Ah, quand il va dehors, là, il dépose, il coupe pour rentrer. Il dit, ma femme a l'an, fait longtemps, il coupe mon l'an. Donc, cherchons l'an. Mais quand il dit, cherchons l'an, ce n'est pas de faire n'importe quoi. Faut pas vous allez vendre votre dignité pour l'argent. Non, partez-vous. La vie, c'est un combat. Il faut se battre. Voilà. Et puis, il faut croire en toi. Faut pas attendre que les gens vont te faire confiance. Toi-même, faut te faire confiance. Toi-même, là, ce que tu fais, là, faut prendre ça au sérieux. Tu vas voir que ça va aller. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui ne font pas confiance. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que non, faut jamais se sous-estimer. C'est ça, je dis toujours, ça dérange beaucoup de personnes. On dit, je fais trop de malin. Mais si je ne fais pas malin ici, là, il y a fait malin. C'est ma façon d'être. Ou bien chacun sa façon. Je ne veux pas vous plaire ici. Je ne vais pas comme vous. Je suis moi. Voilà, je suis moi. Donc, je fais cette vidéo parce qu'il y a une jeune dame qui m'a envoyé un message. Voilà, je ne vais pas dire son nom. Je fais son nom. Vous dites que c'est dur. Il faut se battre. Surtout en Afrique. Moi, franchement, je vais vous dire la vérité aujourd'hui. C'est parce qu'aujourd'hui, j'ai mes enfants en bas âge. Je veux que j'ai des enfants qui sont en Europe. Je peux lui donner sa vie. Et puis en Afrique, ce qui est mauvais, tu vas prendre ton économie. Parce que moi, si je vais en Afrique, je ne me vois pas travailler pour quelqu'un. Je vais travailler pour moi. En Afrique, ce qui est mauvais, tu vas aller investir. Et quand il y a les élections, ils vont venir
tout ton magasin, ils vont coller tout dedans et tu perds tout. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas envie de prendre un risque pour aller m'installer. Sinon, je ne vais pas coller ça là-bas. Et si je m'en vais là, je n'ai pas envie de travailler pour quelqu'un. Donc, il y a prendre mes millions, il y a aller investir là-bas. Et quand il y a Gangban, il faut suivre, il faut aller se cacher, ça connaît ça. Sinon, la fille, vous qui êtes dans la tête là, vous êtes en l'aise. Nous, on suit ici. On suit. Oui, c'est pas facile l'Afrique, mais l'Afrique est bon. Des fois, mais je me rappelle quand je n'avais rien. Tranquille, 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 quoi. Vous voyez, voilà. Donc, tranquillement, tranquille, c'est votre française de tout ça. C'est direct. Voilà, tout le temps, c'est débat. C'est direct, c'est pas débat. Je vous ai expliqué un peu mon parcours. Voilà, mon parcours. Ça c'est le cœur de ce que j'ai vécu. Voilà, dans votre française, là, elle a vécu. Prenez dans sa s'il vous plaît. Votre princesse, elle a vécu plein de choses. Voilà, mais dans la vérité, dans la tranquillité, voilà, il faut te battre. Il ne faut jamais avoir peur de faire quoi que ce soit. Il faut te lancer. Lancez-vous. La vie, c'est un risque. Il y a des gens, ah, j'ai vu ça, mais j'ai peur. Mais si tu as peur, tu peux pas savoir. Il faut te lancer. Quand tu vas te lancer dedans, là, tu vas voir si ça va marcher ou pas. Voilà, donc la vie, c'est un peu ça, non? Donc, les hommes qui sont partis, voilà, je vais parler un peu à les aventuriers. Voilà, je vais parler un peu à les aventuriers. Nous, les aventuriers, parce que j'en fais partie. Un aventurier qui me regarde, si tu sois en Europe, ben, je vais citer quand même des pays. France, Italie, Gabon, je ne sais pas, j'en parle. Si tu as fait 20 ans, 20 ans que tu as fait, c'est bien de construire au pays parce que tout le monde veut construire au pays. Mais le problème est que quand tu construis au pays, quand tu construis au pays, tu ne vas pas tout le temps au pays. Donc, ça fait que c'est compliqué. Moi, ce que je vais vous donner comme conseil, je n'ai pas dit de ne pas construire au pays, mais c'est mieux si tu vis en France et que ton mari travaille. Quand tu travailles, prenez un crédit à la banque. Au lieu d'aller rester dans HLM, vous allez payer votre villa. Prenez cet argent, vous allez faire un prêt à la banque. Ça veut dire qu'ici, en France, quand deux personnes travaillent et ont un bon salaire correct, ils peuvent prendre crédit à la banque. Vous prenez crédit à la banque. Vous achetez une maison ou un appartement, vous habitez dedans. Maintenant, si vous avez fait 20 ans, 30 ans, peut-être que ça dépend de votre crédit. Vous pouvez prendre crédit 20 ans, 30 ans. Maintenant, si vous avez fait 20 ans, c'est un exemple. Parce que nous, quand on vient ici, là, on a l'âge déjà avancé. Donc, je me mets dedans parce que je suis venue en France, j'avais l'âge avancé. Quand je dis avancé, ça veut dire qu'ici en France, à 22 ans, 25 ans, les filles déjà, elles ont fini leur diplôme, elles ont tout, elles commencent le boulot. Mais nous, là, quand on arrive, là, on n'a même pas de diplôme de 1 et puis on reprend tout à zéro. Donc, moi, je vous conseille, au lieu d'aller acheter à Ouaga, au lieu d'aller acheter, si vous n'êtes pas là-bas, et puis ils vont vous poisonner pour prendre votre bien là, préservez-vous. Si tu dis que tu n'as rien, c'est pas grave. Mieux que tu en as quand même. C'est mieux de vivre caché que de montrer à la famille qu'on a trop l'argent. Parce que c'est ça aussi, des fois, on nous met des bâtons dans les roues. Après, quand tu montres que tu as l'argent, après, c'est le problème. Tout ton argent va partir. Donc, moi, je vous conseille, si vous pouvez prendre crédit à la banque, quand vous achetez votre maison, que ce soit en France, en Italie, en Espagne, monsieur travaille, madame travaille, vous êtes chez vous, vous payez un peu. Donc, dans 20 ans, 30 ans, vous allez finir de payer. Donc, le jour où vous allez décider, vous dites, ah, j'en ai marre de la France, vous vendez, ou bien j'en ai marre de l'Europe, vous vendez votre maison, vous avez votre argent cash. C'est votre argent cash. Vous partez où vous voulez, vous pouvez acheter. Voilà, ça aussi c'est important parce qu'ici, les plans là, ils mettent un peu de côté. Mais nous, les Africains, on a du mal à mettre un peu de côté. Les blancs, c'est comme ça, ils s'en sortent. Tu vas voir un blanc. Il prend crédit pour payer sa maison. Il prend crédit. Il fait un peu, il finit de payer sa maison. Après, il est tranquille. Voilà. Donc, c'est mon petit conseil. J'espère que je ne vais pas être long. Voilà, je ne vais pas être long. Je pense que c'est une solution que je donne à tous les distances. Tu achètes au Gabon. Ne dis pas que je suis burkinabé. Si j'achète au Gabon, ils vont m'arracher. Ils ne vont pas t'arracher. Quand tu achètes là, tu as les papiers. Vous achetez. Vous passez dans les agences compétentes. Vous achetez. Et puis voilà quoi. Et puis, si tu es en Italie, c'est pareil. Si tu es en France, c'est pareil. Vous achetez. Comme ça, vous êtes tranquille. Tous les mois, vous payez vos crédits un peu. Voilà, donc c'est un peu ça quoi. C'est votre rêve de tout ça. Vais lire un peu. Laisse.
Ils aiment les hommes qui ont l'argent, non? Donc, si tu veux l'homme qui a l'argent, mon frère essaie de dire, les filles ne peuvent pas travailler, ils veulent l'homme qui a l'argent. Donc, si tu veux l'homme qui a l'argent là aussi, là, tu vas supporter sa facture. Voilà. Parce que nous autres, là, nous autres qui avons des tempéraments comme ça, là, moi, je préfère avoir mon wari, toi, tu vas avoir ton wari, et puis, on s'aime dans l'amour. Nous deux, ça veut dire que là, ça a intérêt. Voilà. Toi, tu es femme, je suis femme, et puis, on est ensemble. Mais Jean, il est venu m'asseoir dans ta maison, il n'y a même pas petit amour dedans, il y a un mourmour dans toi. Non, ça, moi, je ne peux pas. Donc, en tout cas, c'est pourquoi je dis ça aussi. C'est dommage. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo où j'ai dit à les filles qui sont au Burkina Faso, là, de Sako, là, j'ai dit, ils n'ont pas allé travailler chez les gens. Voilà, ils n'ont pas arrêté les mariages précoces, parce qu'il y a beaucoup de filles qui sont rentrées en contact avec moi. Ah, grand soeur, on veut être comme toi, en tout cas. J'ai dit, mais tu veux être comme moi. Moi, je bataille, il faut batailler juste avant d'aller. Non, je vais aller me marier parce que mon papa, là, à la maison, là, c'est le feu. J'ai dit, mais tu ne peux pas aller te marier avec quelqu'un, hein, parce que ton papa est trop dur. Donc, ça peut être que tu vas te marier. Je travaille, ce n'est pas mieux. Elle me dit, non, moi, je suis mon mari, il va être tranquille. J'ai dit, qui t'a dit qu'il y a tranquillité? Les gens la pensent que tout. Elle dit, je vais aller chez le monsieur, il a l'argent, il sait à qui, il ne fait rien, il me nourrit. Comme ça aussi, quand il va te voir, quand tu as fait quelque chose, tu vas te dire, donc ça ne va pas aller quelque part. C'est un peu ça, non? Donc, si on ne veut pas qu'on la frappe, si on ne veut pas qu'on se fout d'elle, il faut aller travailler, t'as ton wari, monsieur a son wari. Et puis, quand monsieur achète, t'achètes. Ça, c'est quand il y a respect. Mais si c'est monsieur qui achète, caca, c'est monsieur, pipi, c'est monsieur, elle met sa main. Ah, toi aussi. Pour toi, de voir même faire à toi même un monsieur. Des fois, tu vas, tu sors, moi, des fois, je sors, je vois un truc qui me plaît. Et je dis, ah, ça, là, ça va être juste mon mari. Et après, il vient lui donner, il n'aura même pas le prix parce que moi, ça me plaît. Donc, comme ça me plaît, je prends, je lui donne. C'est comme ça qu'on doit faire, nous, les femmes. Quand tu arrives, lui, mais il dit, ah, chérie, merci. Tu vois, oui, c'est comme ça. Voilà, tu regardes, ah, mon mari, quand il est dans ce bel dos, attends, il a travaillé, je lui donne. Donc, tu vois, voilà, c'est parce que travailler, travailler, tu vois. Travail ne tue pas, travail ne trompe pas. Voilà. Vous voulez, quand tu veux bonheur, vous voulez le beurre, vous voulez l'argent et l'argent du beurre. Non, 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 c'est pas comme ça. La vie, c'est pas comme ça. Il faut batailler. Voilà. Bataillons dans la vie. Bataillons. Bataillons dans la vie. Voilà. Comme une femme même là, qui a l'argent, son mari la respecte. C'est moi, je dis tout ça. Vous ne pouvez pas comprendre. Une femme même qui a l'argent, son mari la respecte. Comment je fais les débats là? Il y a des garçons qui disent ça. Ah, nous, on marie les femmes là parce que, comme on dit, il y a beaucoup de femmes. Il y en a qui nous disent que c'est parce qu'il y a beaucoup de femmes qu'on marie les femmes. Il y en a qui disent qu'on se marie, il n'y a pas d'amour. Je reçois tellement de messages. Donc, moi, je dis non, tu ne peux pas vous marier quelqu'un que tu n'aimes pas. Faut vous marier quelqu'un que tu aimes. Voilà, faut vous marier quelqu'un que tu aimes. On ne se marie pas parce qu'il faut se marier. On ne se marie pas. Maman, on m'a dit, faut te marier. On a un enfant. On a un enfant. J'ai dit, maman, tu fais ça. Faut mettre doigt où seulement. Le jour, c'est encore mieux. Moi, ce n'était pas les filles qui présentaient les gars en désordre. Là. Un, deux, trois, à Koubali. Deux, trois, il y a Jean Chabin. Moi, quand il ramenait mon mari, un coup, et c'est lui et rien. Moi, il ne ramenait pas ça. Donc, du coup, elle était là. Elle dit, mais depuis que nous, on est là, on voit même qui est derrière notre enfant. C'est quelle fille ça là? Est-ce que vous voyez? Mais le jour où Dieu m'a donné, il m'a dit, tiens, papa. Déjà, on avait fait déjà 6 ans de relation. Sans qu'eux ne sachent ça. Il dit que 6 ans, je connaissais déjà mon mari, 6 ans. Avant que j'aille présenter à ma famille. C'est comme ça, en fait. C'est pas on le soulève la première fois et puis on va déposer. Non, non, non. Elle dit que moi, je vivais ma vie, lui, je vivais sa vie, on se fréquentait. On se fréquentait. Alors, j'ai dit que c'est l'homme de ma vie, lui aussi, il a vu que j'étais la femme de ma vie. J'étais la femme de sa vie aussi. C'est comme ça, on s'est ramassé. Et puis, le jour où on est arrivé là, mon papa, il me rappelle, il m'a dit, avant, Zéra, patron, Zéra, parce qu'ils me connaissent au Zibani. Moi, j'ai fini à faire Zibani. Donc, je suis arrivée et puis mon papa lui dit bonne arrivée, monsieur. Il lui dit bonne arrivée, monsieur. C'est patron de. Il a dit non, papa, c'est pas mon patron, c'est mon fiancé. Il dit comment il est mon fiancé. Hein? Dans quel coup? Marié au cas, j'ai au cas, il est comment faut des gens. Voilà ton beau. Il est venu donner pour là. C'est comme ça qu'on fait. Mais déjà, je connaissais mon mari 6 ans. Oui, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 6 ans. Les parents, ils ne savaient pas. Donc, ils étaient là, il faut te marier, il faut te marier, il faut te marier. Moi, ils savaient ce que je voulais. Donc, si vous voulez avoir votre liberté, il ne faut pas tout marier.
marier avec qui tu aimes pas. Faut pas te marier par intérêt. Il y a des gens qui font tout par intérêt. Si tu fais tout par intérêt, là, Dieu, il n'est pas gaou. L'homme ne te voit pas, mais Dieu te voit. Je vais utiliser lui, là, je vais le jeter. Quand tu n'es pas quelqu'un pour lui dire que je ne t'aime pas, tu m'as aidé, on s'arrête là. Tu fais un an, deux ans, quelqu'un que tu n'aimes pas, tu lui dis la vérité. Mon frère, c'est vrai, tu me donnes l'argent, tout. L'amour, là, ça ne vient pas, je ne vais pas forcer. Mariage. Et je te dis, ma chérie, avec celui que tu aimes, même déjà, c'est compliqué. Imagine maintenant si tu n'aimes pas la personne. Tu as tout dit, ma chérie. Donc, c'est un peu ça, en fait, quoi. C'est pour dire, si tu ne veux pas te marier avec quelqu'un que tu n'aimes pas, c'est simple. C'est simple. C'est vrai, les papas nous ont mis au monde tous les rêves de papa et maman. Ils veulent voir les enfants dans le foyer. Mais le problème que je les en veux un peu, il ne s'agit pas que ta fille se marie. Il s'agit, est-ce que ta fille est... Il s'agit de savoir si ta fille est heureuse dans son mariage. Mais nos parents, là, quand tu es dans le mariage, là, ils ne cherchent pas à savoir si tu es heureuse. Moi, tu ne peux même pas parler même de ton foyer. Et quand ils t'appellent, ils te voient là. Ah, moi, je ne sais pas. Mais tu ne sais pas si ton enfant souffre. Hein? Tu ne sais pas si ton enfant souffre. Cherche à comprendre. Ça, c'est très important. Quand tu es marié, tu te maries avec quelqu'un que tu aimes, c'est important. Voilà, il ne faut pas te marier par intérêt. Voilà. Si quelqu'un t'a aidé 2 ans, 3 ans, voilà, il ne faut pas aller te marier avec lui si tu ne l'aimes pas. Parce que si tu ne l'aimes pas de un, tu vas te rendre malheureux toute ta vie. Toutes les filles qui se sont mariées, les hommes qui ne l'aiment pas, là, à la fin, là, tu vas le tromper parce que de un, ce n'est pas le style de ton mec, ce n'est pas ton style. Le mariage aussi, de fois, ça dépend. Tu peux te marier avec quelqu'un que tu n'aimes pas et dans la longue, tu vas commencer à aimer la personne par rapport au comportement de la personne. Ça aussi, c'est ça. Voilà. Mais deux fois aussi, tu peux, oui mon amour, tu peux te marier avec une que tu n'aimes pas et dans la langue, l'amour ne vient pas. L'amour ne vient pas. Et quand l'amour ne vient pas, tu vas être malheureux. De un, tu fais les enfants avec lui, tu ne l'aimes pas. Fais des enfants avec quelqu'un que tu n'aimes pas. C'est vraiment cruel, c'est méchant. Excusez-moi. Pour moi, c'est horrible quoi, de faire des enfants avec quelqu'un que tu n'aimes pas et que tu ne vas jamais aimer. Tu es avec la personne comme ça, tu te rends malheureux et tu le rends malheureux. Vous voyez? Donc, c'est vraiment compliqué. Il y a des gens qui disent, oui, l'argent fait le bonheur. L'argent contribue au bonheur, oui, mais l'argent ne fait pas le bonheur parce qu'il y a des gens qui ont l'argent, mais ils ne sont pas heureux. Voilà. Donc, il y a des gens aussi qui n'ont rien, qui sont heureux, comme nous autres. Moi, je suis très heureuse de ma vie. Voilà, je remercie toujours le bon Dieu parce que je sais d'où je viens. Il y a des gens qui ne sont jamais satisfaits. Même quand Dieu les donne, là, ils ne sont jamais, ils gueulent tout le temps. Ah, pourquoi moi? Pourquoi moi? Toi, tu veux quoi? Toi, tu veux quoi? Ce que Dieu t'a donné là, il y en a qui n'ont pas. Excusez-moi. Ce que Dieu t'a donné là, il y en a qui n'ont pas ça. Il y a des gens qui ne sont jamais reconnaissants. Tout à l'heure, moi, il veut plus. Déjà, tu es en bonne santé, tu es une belle famille. Tu veux faire ça. Dieu ne donne pas tout. Voilà, Dieu ne donne pas tout. Qui donne tout à toi là et les autres? Soyons reconnaissants. Moi, je suis très reconnaissant vers Dieu. Très, très reconnaissant. Tous les jours, je lui dis merci parce que je sais d'où je viens. Donc, quand tu me regardes là, deux fois là, il faut qu'on s'asseye et puis on réfléchit, on va en arrière. On se dit, attends, il y a 10 ans, j'étais où? Il y a 20 ans, j'étais où? Voilà, c'est comme ça qu'il faut penser. Il y a des gens qui ne sont jamais satisfaits. Jamais. Ah mon Dieu, déjà même quand tu es en Europe ici, la plupart des filles ou des hommes qui sont en Europe ici, c'est vrai, c'est laquelle tu comment, il faut savoir qu'au moins tu es ici, si tu gagnes un travail, que tu batailles, tu seras toujours mieux qu'au pays. Non, quand c'est dit la vérité, pas ici, le salaire d'ici et le salaire du pays, c'est pas pareil. Mais le problème qu'on oublie aussi ici, là, ceux qui veulent réaliser au pays n'ont pas d'existence. Moi, j'ai des amis, pas des amis, c'est des connaissances. Voilà, c'est des connaissances. Qui vient réaliser au pays. Dieu seul fait le sacrifice qu'ils font pour réaliser au pays. Vous comprenez? Ça veut dire qu'ils vont prendre un appartement, ils sont 10 dans l'appartement. Tout ça pour cotiser ensemble. Tu n'as pas ta liberté. Vous êtes 10 dans la maison. Tu peux pas vivre comme tu veux, quoi. Vous voyez? Mais c'est un sacrifice parce que ces personnes-là, ils ont un projet. Ils ont envie d'investir au pays. Mais quand ils finissent d'investir au pays, là, ils se font marier par leurs frères. Par leur papa, par leur cousin,
parlait, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Si les gens savent comment les Africains souffrent ici pour envoyer l'argent au pays et ton argent, on ne le respecte même pas. On ne respecte même pas ton argent. Donc, c'est un peu compliqué, vous voyez. Il y en a qui disent mariage aujourd'hui, il n'y a pas amour. Ce n'est pas tout, hein. C'est pas tout. C'est pour ça que je suis venue même sur Facebook. On n'a pas fait marier par amour. Parce que quand tu te maries par amour, la femme même qui est mariée, ton mari il est épargné. Mais tu vois ton mari est quelqu'un qui est épargné. Moi, je connais des femmes qui crient même que leur mari n'a pas mouru, ils vont voir la fin. Est-ce que ça, la fin, c'est bien? Maman, tu peux me donner sa petite, s'il te plaît. Et puis, on ramasse tout ce temps. Comment je le mets à la poubelle? Donne-lui sa petite. Tu lui donnes sa petite, s'il te plaît. Oui, mon amour. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà, mon pote, c'est pour ça, mon pote. Donc, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça, c'est un peu ça. Merci, merci. Non, moi, je suis là pour. C'est par rapport à ce que j'ai vécu et que voilà, je sensibilise, quoi. Et tu ne peux pas te marier avec quelqu'un que tu n'aimes pas. Ce n'est pas possible. Tu l'aimes pas. Quand même que tu aimes là, même déjà, c'est compliqué. Plus par raison que tu n'aimes pas. À cause de son argent. Et le jour, il tombe malade. Parce que faut mettre dans la tête que quelqu'un peut avoir l'argent aujourd'hui et demain, l'argent va finir. Donc, ça veut dire que tu te maries avec pour son argent. Et demain, quand il n'a pas l'argent, tu peux vraiment. Est-ce que les gens aussi pensent à quoi? Ils pensent pas à ça. Parce que tu peux te marier avec quelqu'un que tu aimes. Parce que la personne. Pardon, si tu te maries avec quelqu'un que tu aimes et le jour il n'y a pas l'argent, vous allez vous battre ensemble même. Et puis personne ne va savoir que vous n'avez pas d'argent. Personne ne saura que ton mari n'a pas d'argent. Vous voyez? Mais quelqu'un que tu n'aimes pas là, quand l'argent là va finir là, tout quartier va savoir que l'argent de ton mari est fini parce que tu ne l'aimes pas. Donc tu vas le critiquer. Donc c'est pour cela que tout le monde, mariez-vous avec quelqu'un, même si tout, un homme qui te respecte, un homme qui a pitié de toi. Voilà, c'est très important. Parce qu'une femme, moi, je ne me vois pas que tous les jours, on va me traiter de bon à rien. Je suis dans ta maison, je te nourris, je te fais des emplois, tu me traites de bon à rien. Je vais prendre mes affaires, je vais partir. Parce que je ne suis pas un bon à rien. Donc, c'est pour cela, je veux que les femmes Bissa se respectent. Les femmes Bissa se réveillent. Et les femmes Bissa doit dire qu'ils ne sont pas le fond de commerce de leurs parents. Si ton papa veut que tu maries un vieux parce qu'il a l'argent, là, il n'a qu'à laisser ta femme là. Ils ont beaucoup de femmes, non? Et puis, il va aller marier et puis, ils vont lui donner un peu d'argent. C'est comme ça, moi, je vois la chose, quoi. Voilà, c'est comme ça, moi, je vois la chose. Voilà. Donc, il ne faut pas te marier à quelqu'un que tu n'aimes pas. Il faut te marier à quelqu'un qui te comprend, quelqu'un que tu connais. C'est pour ça qu'il y a mis 6 ans. On s'est fréquenté 6 ans. 6 ans, c'est beaucoup. Mais. On sait ce qu'on a traversé, il y a eu des hauts, des bas, on a dit, lui là, il y a eu des hauts, lui aussi, il a vu qu'il y a eu des hauts, des bas, et puis voilà. La vie, c'est ça, en fait. Voilà, on kété, et puis, un coup, bim, le bim de ça, le goût de ça. Ouais, le goût de ça, l'amour, lui, c'est un gros amoureux, amour. Je suis désolée. Oui, mon amour, toi, tu es toujours, mon fils là. Il est toujours sorti dans mon bureau. Donc, je vais vous laisser. Voilà, un autre moment aussi. On va parler de d'autres idées. Voilà. Parce que, voilà, il y a un truc que je ne comprends pas. Moi, j'ai fait beaucoup de débats. Il y a un truc que je vais clarifier aussi. J'ai fait des débats où les hommes ils m'ont dit ils préfèrent aller se marier au village parce que les filles qui sont au village, là, ils vont supporter leurs caprices. Vous voyez déjà, l'homme veut toujours dominer la femme. Voilà, il y a certains de mes abonnés, quand j'ai fait le direct, après tous, il y a certains hommes qui ont dit, nous, on préfère aller se marier au village parce que ces filles-là vont supporter notre caprice. Mais quelqu'un qui est en Europe ici, là, qui connaît la vie, qui allait à l'école, qui connaît la réalité, la légalité entre les hommes, ils vont pas accepter leurs caprices. Donc, d'un côté, quand tu entends des propos comme ça veut dire que l'homme veut toujours dominer. Vous pouvez dominer, il n'y a pas de problème. Dieu même a dit toujours que l'homme reste le maître de la maison. Mais dans le respect, on doit respecter les femmes. Nous, les femmes, nous sommes votre maman. Nous, les femmes, c'est nous qui avons mis
les présidents, les rois, les chefs du village, les guerriers, tout ce qui va avec. Donc voilà. Donc c'est mon petit message, je vous laisse, je vous aime. Ciao, ciao, à très vite pour un autre débat. Merci mes princesses, merci mes princes. Voilà, c'est votre princesse de guitare, c'est la même qui pense toujours. C'est qu'elle dit ce qu'elle pense. Voilà. Donc ciao, ciao, à très vite.